Donc, me revoilà donc pour des séances de 10 minutes de sport par jour. Donc, bienvenue chez Naturel Fitness. Donc, comme il pleut aujourd'hui, je vous fais un cours à domicile. Allez, c'est parti, si vous voulez bien me suivre. J'enclenche mon chrono pour 10 minutes. C'est parti. On inspire, on se grandit, on souffle, ou en arrière, on rentre le ventre. Inspirez, c'est chaud. Grandissez-vous, soufflez. Inspirez et on souffle. Inspirez, soufflez, descendez, arrondissez la colonne, mettez les mains derrière les cuisses, maintenez et tout doucement, vertèbre après vertèbre, on repose la tête au sol. On place les deux mains derrière la tête, les mains sont un support. Je vais inspirer, je vais souffler, je vais décoller juste les épaules, le bas du dos est au sol. Et je remonte. Inspire, souffle. Quand je monte, je souffle. Allez, inspire, souffle. Et 3. 4. 5. 6. 7. 8. Allez, avec moi. 9. 10. Bloquez ici en haut la contraction. Créez une pression sur la cuisse. Vous poussez avec votre main sur la cuisse et vous soufflez. On reprend. Inspire et souffle. On en fait 5. 3. 4. Et un dernier 5. Bloquez, serrez les abdos. Relâchez. On repart. Les deux mains derrière la tête. Ok, inspirez, soufflez. Serrez le ventre. Et 2. Allez. 3, ça fait du bien de s'activer. 4. 5. Serrez les abdos. 6. 7. 8. 9. 10. Appuyez avec l'autre main sur votre cuisse. Soufflez. Le bas du dos est bien au sol. Inspire et souffle. Inspire, relâche et souffle. Et 3, 4, et 5, et bloqué, appuyez avec les deux mains cette fois-ci, 3, 2, 1, relâchez, ok, vous soulevez les deux jambes, ok, et là, vous allez appuyer dessus, enfin mettre les mains plutôt derrière les cuisses et maintenir, relâchez, soufflez, montez. Montez les épaules, agrippez-vous derrière les cuisses, qui flexe, serrez ventre. Et 3. 4. Encore un dernier. Et 5. Maintenez. Vous pouvez mettre une main derrière la tête si c'est compliqué. Souvent, il y a une tension, vous pouvez remettre une main derrière la tête, mais surtout rentrez le ventre, serrez les abdos, c'est ce qui est important. Relâchez. Et cette fois-ci, allez chercher plus haut. Main derrière les genoux, si vous n'arrivez pas à les mettre derrière les mollets. Maintenez. Serrez, serrez les abdos. Relâchez. Passez une main derrière la tête. Agrippez un peu plus haut. Encore. Et 3. Jusque 5. 4. Et 5. Allez, j'agrippe cette fois-ci avec les deux mains. Je maintiens. 5. 4. 3. 2. 1, relâchez. On va travailler un petit peu au niveau fessier. Vous placez les deux mains au sol pour m'orienter vers le plafond. On tend une jambe vers le haut, pied flex, et on monte et on descend le bassin. Allez, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10, 6, 7, 8, 9, 10, bloquez en haut, maintenez, serrez les fessiers, bloquez, bloquez un maximum. Alors là, quand je dis serrez les fessiers, tout le poids du corps est ancré dans la jambe d'appui au sol. Vous devez le sentir au niveau des fessiers. Allez, maintenez, 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 relâchez. On reprend, grand amplitude, 1, 2, 3, exercice très efficace pour les fessiers. 6, 7, 8, 9, 10, bloquez, bloquez en haut, pied flex, allez, on bloque. Maintenez, maintenez la contraction. Relâchez.
Allez, pied flex. Attention, je monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et bloqué. Allez, allez, vous pouvez le faire. Vous voyez ici, tout poids du corps est ancré dans cette jambe qui est au sol. Ça, c'est important. Sentez. Il faut vraiment ressentir tous les bienfaits de l'exercice, notamment au niveau des fessiers. Allez, on pousse toute la force dans le pied, là, au sol. Faites-le avec moi. Allez, vous allez bien sentir l'exercice. Relâchez et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Montez, bloquez, 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 bloquez. Allez, 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 on bloque, on serre les fessiers. Et relâchez, parfait. Très bien. On poursuit l'exercice. Cette fois-ci, on se met sur le côté. Et on va se mettre ici. On va faire un gainage oblique. Et on va travailler sur le côté. Ok? Alors, la gainage oblique, vous êtes avec moi. En appui sur l'avant-bras, les deux genoux au sol et on monte. Premier niveau, je vous l'avais déjà montré celui-ci. Hein. Très efficace pour la taille. Allez, on serre tout. Allez, on ouvre les épaules. Là, on gaine. Pour les plus courageux et courageuses, vous pouvez vous soulever. Hein. Il n'y a pas de souci. Soit en croisant ou en vous mettant les deux pieds l'un sur l'autre. Allez, il reste 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et on se met dans cette position. Restez comme ça. Attention, là, je vais tendre la jambe au-dessus. OK? Et je vais aller vers l'avant et vers l'arrière pour l'instant. N'allez pas trop loin dans l'amplitude. Devant, derrière. Devant, on pointe devant, on pointe derrière. On va activer le moyen fessier sur le côté. Ici, on bloque. Hein. Allez, encore. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. OK. Jambes tendues, tout petit. Maintenez. En même temps, là, ça pince ici, c'est normal. On travaille à la fois, je travaille plusieurs groupes musculaires en ce moment. Donc, et le moyen fessier, et on active la taille, notamment les obliques. Allez, tout petit, c'est pour ça que je me suis redressée. Mais par contre, serrez bien les abdominaux pour ne pas vous faire mal au dos. Gainez. Bloquez, fléchissez, et on soulève, tout petit. Allez, ça va brûler au niveau du moyen fessier, mais c'est normal. Allez, c'est là que c'est efficace, que ça travaille. Allez, courage. Il reste 15 secondes sur celui-ci. Et après, on change de côté, promis. 10, 9, 8. Une séance, ça passe tellement vite sur 10 minutes. Je fais 10 à 12 minutes maximum. Et c'est nécessaire de le faire tous les jours pour avoir vraiment des résultats efficaces. Bloqué. Serrez. Serrez volontairement. Moi, quand je serre volontairement vraiment le muscle concerné, ça bosse et ça brûle. Relâchez, passez de l'autre côté. Allez, tout de suite, on change de côté. Allez, go. Donc, je suis ici et on monte. Allez, maintenez la contraction pour les obliques. Donc, on soulève le bassin et là, on sent, hein, si on met le doigt ici, on sent que c'est tout contracté. Serrez le ventre. Donc, on part sur 30 secondes dans cette position. Ceux qui souhaitent, vous pouvez vous mettre les deux pieds joints. Allez, reste 10 secondes. Allez, soufflez. 5, 4, 3, 2, 1. Ouais, ça brûle. Et relâchez. OK. On se remet dans cette position. Allez, on pointe. 1, 10, 9, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, bloqué, serré ici, et là, on lève, en position de jambe fléchie, allez, on se lève un tout petit peu la cuisse, on active ici, c'est ici que vous devez vous concentrer, hein. Attention, si ça pince au niveau oblique, c'est normal, ça travaille aussi, hein. Allez, il y a 10 secondes, comme ça. On va bientôt arriver déjà aux 10 minutes de travail. Sur les deux dernières minutes, on fait des exercices un peu plus dynamiques pour encore plus travailler, renforcer
bloquer tout ce qu'on a travaillé auparavant au niveau musculaire. On va travailler au niveau cardio et relâcher. Alors pour travailler au niveau cardio, on va faire sur les deux dernières minutes une alternance de gainage et du mouvement de l'exercice du grimpeur où on active vraiment le cœur. Donc je vous rappelle, on se met ici sur les avant-bras et on active sur 30 secondes. Allez, c'est parti. Allez, on ramène bien le genou à la poitrine, ça c'est important. Hein. Faites-le serrer les abdos. Celles qui veulent un peu plus vite, vous mettez l'intensité que vous voulez. Hein. Le but c'est vraiment d'augmenter le rythme cardiaque. 15 secondes. Votre demande et je vous en ferai. Allez, à bientôt et bon entraînement!